Now, to you who believe, the angel of God. Pour tous qui croyez, je dirais ceci, l'ange du Seigneur qui m'a été envoyé afin de vous aider à croire en Jésus-Christ n'est pas éloigné de 70 mètres de l'endroit où je me trouve en ce moment. Si vous croyez que je suis son serviteur, vous accepterez ma parole. Je ne peux pas vous y forcer, mais il est ici maintenant, sur l'estrade. Now the Lord bless you while I talk to the woman. Que le Seigneur vous bénisse pendant que je parle à cette femme. Priez tous, ces gens sont malades. Cette dame dit qu'elle ne me connaît pas du tout. De ma vie, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai aucun moyen de savoir qui elle est. Or, je ne peux ni la guérir, ni la sauver. Et vous le savez tous. Mais Jésus-Christ a déjà compris tout cela lorsqu'il mourut au calvaire. Et envoyer des dons à son église. Esprit à leur dit Amen. Et pourquoi tous ces dons? Pour édifier l'église, n'est-ce pas vrai? En d'autres termes, si les incrédulants, ils disent vraiment, la Bible dit tous parlent en langue et les incrédulants ne comprennent pas que vous êtes fous. Mais si un prophétise révèle les secrets des cœurs, ne tomberont-ils pas sur leur face, disant vraiment Dieu est au milieu de vous? Est-ce vrai? C'est vrai. Bien, alors croyez maintenant de tout votre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici pour accomplir tout ce qu'il a promis. Madame, je voudrais simplement vous parler. Je fais cela afin de contacter votre esprit. Croirez-vous de tout votre cœur? Alors si Dieu me révèle ce qui ne va pas en vous, l'accepterez-vous comme celui qui guérit? Vous le feriez. Nous ne nous connaissons pas, n'est-ce pas? Nous ne nous sommes jamais rencontrés, nulle part. Mais Dieu sait ce qui ne va pas dans vous, n'est-ce pas? Vous avez surtout... Vous êtes anémique. Croyez-vous que Dieu vous guérira? Seigneur Jésus, je te demande de guérir cette femme. Guéris-la, Père, que ce soit de vous sortir d'ici complètement guéri. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, et réjouissez-vous. Il vous aura fait selon votre place. Voyez-vous, il ne m'a rien dit de spécial. Il m'a juste dit ce qui n'allait pas dans vous. Écoutez, faites ce qu'il vous dit. Tout est pour vous. Croyez.